Bonjour à tous, ici c'est Marjan59. On se retrouve aujourd'hui sur les Sims 2 et aujourd'hui on va essayer de rattraper le live que j'ai pas pu faire hier, donc c'est-à-dire dimanche, suite à un petit souci avec quelques petites modifications dans mon PC. Voilà, donc j'ai décidé pour rattraper de le faire en vidéo. Donc je ne sais pas si je pourrais faire toute la semaine en vidéo, c'est-à-dire du lundi jusqu'au week-end. Donc je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que ça se fera. Mais au moins essayer de faire une bonne partie et aussi vous faire montrer les petits changements que j'ai effectués. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait avec vous en live, hein, de toute manière. Donc j'ai rajouté les toilettes qui sont juste ici pour non seulement les clients qui vont arriver, mais aussi pour les employés. Voilà, parce que le fait d'avoir mis des toilettes dehors, ça ne va pas parce qu'ils ne vont pas directement dehors, ils préfèrent rester à l'intérieur. Ensuite, j'ai rajouté une pièce ici qui sera uniquement pour les employés et les deux sœurs. Donc c'est une pièce, c'est une petite cuisine, au moins elles pourront être tranquilles. Voilà, manger ici. Voilà, elles seront tranquilles, même y compris les employés, ils pourront se servir si, admettons, ils ont faim. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi d'autre? Ici, j'ai rajouté des murs parce que oui, en effet, la barrière, ça n'allait pas. Et la barrière, c'est vrai qu'elle gênait. Voilà. Ensuite, en haut, donc en haut, j'ai rajouté encore ici la machine à coudre pour la deuxième sœur. Comme ça, pendant qu'il y en a une qui coud, l'autre, elle peut aussi essayer de le faire et de gagner des badges. Voilà. Donc sinon, il n'y a rien eu de spécial, sauf ici. Alors ici, j'ai rajouté un mur avec une porte ici quand même pour séparer, parce que les deux sœurs, quand elles voulaient se laver en même temps, il y en a toujours une qui râlait parce qu'elle voyait l'autre. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'intimité entre elles. Donc du coup, j'ai fait ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, j'ai demandé à Cousette d'être en tant que caissière et j'ai demandé à Layette d'ouvrir le magasin. Et on a déjà notre petite employée qui est ici et je viens tout juste de lui changer sa tenue. Voilà, elle aura la tenue que les sœurs. Voilà. Donc là, on va ouvrir le magasin et on va voir si on aura un petit peu plus de chance, s'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir. Donc toi, tu vas aller ici. J'ai demandé à notre employé de surveiller les rayons et de voir à chaque fois s'il n'y a pas quelque chose à remettre. Par contre, Cousette, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, Cousette, toi, tu dois être en tant que caissière. Voilà. Layette a une forte fièvre. Bah oui, bah justement, t'as une forte fièvre, justement, faudrait que... Je sais pas ce qu'elle fait dehors. Ah oui, les cafards. Alors, par contre, j'avais mis une porte ici. Donc, j'espère que les clients, ils vont venir. Donc, on va essayer de voir si on aura un petit peu plus de chance. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'argent, on a remonté un petit peu parce que j'ai fait travailler les filles. Donc, je leur ai fait faire des tableaux personnalisés. Je leur ai fait faire des tableaux d'elles-mêmes. Et puis, on va voir. Alors, par contre, attends. Tiens. Tu vas... Qu'est-ce qu'elle fait dehors? C'est pas étonnant qu'elle est malade, hein? Ah, le jour il se lève. Alors attendez, je vais essayer. Toi, t'es intéressée par quoi, toi? Alors, demander. Ok, donc elle s'en sort bien. Est-ce que je peux te proposer faire une démonstration? Attends, t'es qui, toi? Amandine. Faire une démonstration. Mais il n'y a même pas Amandine. Allez, Akatia. Hop, on va essayer de faire tout le monde. C'est qui, lui? Pascal. Ben, ça tombe bien, je pense que je l'avais sélectionné. Elle est où? Ah, ok. D'accord. Il faudrait peut-être qu'elle arrête d'aller dehors parce que sinon elle va toujours être malade, ça va être chiant. Je sais pas ce qu'elle a avec les cafards là, mais... Et puis on va voir si les clients ils vont râler suite à ce qu'ils vont vouloir monter ou autre. Est-ce que ça marche? Allez, on va continuer les démonstrations. À mon avis, ça c'est vrai que je l'avais pas fait beaucoup la dernière fois. Ça va peut-être me sauver à la rigueur. Et au moins, ça occupera un petit peu les clients. Est-ce qu'elle encaisse? Ouais, elle encaisse. C'est bon. Par contre, s'il y en a une qui gêne, ça va pas le faire. Ouais, il aurait fallu qu'elle se mette là, elle. Oh, quoique, ça marche, non? Ouais, si, ça marche. Donc, on va voir si elle va être un petit peu plus meilleure en caisse. Donc, déjà, là, elle n'est pas encore rapide, hein, malheureusement. Pourtant, je lui ai fait augmenter ses compétences, comme vous pouvez le voir ici. En badge, alors on n'a que deux, donc c'est plutôt elle qui va falloir la faire beaucoup travailler. Donc elle réceptionne, c'est bon.
Ok. Alors j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé, mettre des haut-parleurs au-dessus. Comme ça, les clients, ils vont plus danser comme ils ont fait la dernière fois. Voilà, donc là, je vais regarder. Alors, Cosette, elle est en caisse, ok. Ok, on va essayer de faire vente. Donc, on m'avait dit de faire vente simple. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'espère que ça va fonctionner. Toi, on va faire. Ah, bah, toi, on va rien faire du tout parce que tu t'es déjà proposé. Donc, comment tu t'appelles, toi? Ah, on va essayer, attends. Hop. Hop, on va essayer. Peut-être que ça va fonctionner. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait beaucoup, ça. Oh là, il y a la queue en caisse, là. Il va falloir qu'elle se mette. Après avoir étudié ce qui fait craquer les consommateurs, l'IA a découvert une technique. Vente agressive capable de mettre la pression sur les clients. Ouais, mettre la pression, non. Ou de les faire fuir. Ça vaut bien un badge d'argent. Wow. Donc c'était l'IA qu'elle l'a eu. Ok. Très bien. Alors, toi, tiens, mets-toi en caisse ici. Tiens, mets-toi là. Oh, salaire. Fixer le salaire. Alors. Non, pas salaire excessif. On va mettre lui. Oh, mince. J'ai Layette qu'elle est malade. Et Cousette qu'elle réagit pas. C'est génial. Voilà, super. Tiens, soit. Va être caissière aussi. J'ai enquêté sur votre commerce et je le trouve très bien. Je vais rédiger une bonne critique pour faire connaître à d'autres votre prod. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On va continuer. Donc là, je me mets un petit peu en caisse pour aider Cousette. J'espère que Layette, elle va tenir le coup parce que là, elle m'a l'air un peu malade. Bah, et les autres clients, vous pouvez aller sur le côté, hein. C'est bien, on remonte. Ce que j'aimerais bien, c'est que elle puisse faire. Ah, d'accord, elle n'est pas propriétaire, donc elle peut. Ah, bah, si, elle peut faire une démonstration. Tiens, on va essayer d'en faire. Faire des démonstrations. C'était Gaël qui m'avait dit de faire ça. Donc si ça peut fonctionner et aider. Et lui faire gagner des badges, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a remonté au niveau de l'argent, tout va bien. Lui est en train de payer. Ouais, je vais lui rajouter un maillot ou un pull, elle, hein. Alors, Eureka, Cosette a enfin compris à quoi servent toutes les clés de la caisse. Cet exploit mérite bien un badge de bronze. Ben super! On va y arriver. Non, va pas dehors, ma grande. Tu vas être encore malade. Félicitations, votre commerce est désormais en position 6. On a gagné un point à dépenser, c'est super. Je vais essayer. Oh! Alors, Gaël m'avait dit quelque chose. Influence. Chasseur de remise. Je crois que c'est ça. On va essayer. Voilà. Alors. Donc, elle est là. Mais. Elle est Layette, là. Attends, 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 attends. Toi, tu vas être en caisse. Pourquoi elle est pas en caisse, elle? Être caissière. Eh, faut pas négliger, hein. Alors, après avoir étudié ce qui fait craquer le consommateur, Cosette a découvert une technique. Super. Ouais, bah, le téléphone, il va attendre. Voilà, démonstration. Je pense qu'on va y arriver. Hop. Alors, Amanda a compris que trop d'étagères vides donne. Ah, d'accord, ok. Bah, pourquoi elle les remet pas? Je vais peut-être l'aider à la rigueur. Je vais voir, je vais peut-être l'aider. Si je vois qu'elle s'en sort pas à tous les remettre, je vais l'aider. Je vais peut-être. Alors, attends. Donc. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses qui sont vides. Je vais peut-être l'aider un petit peu, lui donner un petit coup de main. Non, là, il n'y a rien. Répondre au téléphone, c'est pas grave. Hop. Je suis en train de cliquer sur tout le monde, hein, mais c'est pas grave. Hop, hop. Allez. C'est parti. Ensuite, toi, on peut faire une vente simple. Je vais pas faire les ventes agressives. Hein. Ah non, non, j'ai pas envie de les faire fuir. Ah. C'est Layette qu'elle a répondu. Ok. Voilà, ok. Très bien.
Par contre, il y en a une qu'elle a déserté de son poste, être caissière, ça c'est pas bien. Je lui ai pas demandé pourtant. Voilà, donc toi on va faire une vente simple. Ça, on va. Ah ouais, il y a le miroir qui me gêne, ok, d'accord. Hop, ça on va le refaire, ok. Ensuite, on va essayer de gérer les choses calmement. Hop. Donc toi, vente. J'ai dit vente, hein. Ouais, à la rigueur, on va essayer de faire ça. Oh, on a un nouveau qui vient d'apparaître. Ok, donc il y en a une qui... Elle danse quand même! Voilà. Ah, mais... Elle, après, elle s'étonne qu'elle est malade, mais forcément, elle reste pas à sa place. Il va falloir que je fasse venir la dérétisation pour les cafards. Allez. Ensuite, celui-là, il faudrait le remettre. Et puis, elle est malade, hein. Voilà, donc une fois qu'elle aura fini, elle pourra l'éteindre. Voilà. Allez, éteins le poste. Comme ça, ils vont arrêter de danser. Voilà, ça c'est bon. Ok, donc ça, on va le refaire. Lui, on va le refaire. Ça va, on a l'argent, on peut. Ensuite, il y en a ici à refaire, ça à refaire. On va faire une démonstration. Comment tu t'appelles, toi? Laurent. On va essayer de chercher Laurent. Non, il n'y a pas Laurent. Toi, Katia. Est-ce qu'il y a une démonstration pour Katia? Oui. Liette, je vais... Elle m'énerve. Je vais les faire passer en caisse. Voilà. Je suis obligée de les faire passer en caisse parce que sinon on va pas accélérer. La 6, ok, très bien. Donc lui, il est en train de tourner en rond. Voilà. Donc on va revoir Cosette pour savoir où elle est. Oh. Ah oui, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Ah, elle a repris son travail, elle. Faudrait que je regarde. Voilà, ensuite. Ça va, on avance. Oh, non, pas moi, pas moi, pas moi. Faudrait qu'elle accélère, là. Faudrait que j'arrive à la faire accélérer. Donc, je sais pas ce que ça va donner entre la vidéo et le live, mais je sais qu'avec le live, j'avais fait une semaine complète. En vidéo, je ne sais pas. Donc, j'essaierai, si je vois que c'est un petit peu trop long, j'essaierai de le faire en plusieurs parties, hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, le challenge, il sera fait. Voilà, donc tu finis ça, et après, elle, on verra après. C'est bon, c'est Romy. Allez, va t'occuper des clients. C'est pas le moment de râler. Alors, ça c'est fait. Alors, encore deux personnes à aller voir. Donc ça, il va falloir le refaire aussi. Je vais essayer de gérer du mieux que je peux. Oula, oula, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. On va faire une démonstration. Pourquoi elle a lancé son sac? Mince! D'accord, ok, j'ai compris. Il faut que l'autre, elle passe en caisse. Ça, c'est pas possible. Ah mince! Ça, c'est mauvais. Et puis les yettes, qu'elle arrête pas de... Être caissière. Elle reste pas à sa place. Hein. On va essayer de voir. Là, c'est pas bon. Hein. Quand ils ont mis les sacs par terre, c'est pas bon du tout. Ouais, puis il y en a une qui est dans le rouge, bien sûr. Par contre, toi, t'es dans le rouge. T'es embêtante. Hein. Gestion, on va te faire faire une pause. Il est quelle heure? Ouais. Allez. Dépêche-toi. Bon, ça va. On va récupérer. Et ensuite que t'as fait ça, tu reprends la caisse. Je vais attendre qu'elle finisse.
Ouais, il faut qu'elle prenne sa pause, hein, parce que là, sinon, on va pas y arriver. Mais je sais pas combien de temps que ça prend, sa pause. Je sais pas si c'est une demi-heure, un quart d'heure. Je sais pas. Mais au moins, ça va, les clients, ils sont quand même là, même s'ils ont jeté leur truc, là. Y a pas moyen que j'emploie... Attendez, je vais essayer de voir un truc. Parce qu'elle est toute seule, hein, à gérer. Ah. Comment tu t'appelles, toi? Amandine. Il n'y a pas une Amandine dans les environs. Toi. On va essayer de l'engager. On va essayer de voir. Parce que là, il me faut vraiment quelqu'un. Sinon, on va pas y arriver. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Voilà. Oh là là, pire de tension. C'est pas possible. Elle est pas encore douée en caisse, celle-là. Allez, dépêche-toi. Voilà. On va essayer de demander à Amandine. Elle a pas voulu. Mince. Elle a pas voulu. Bon. Là, on est mal. Et toi, est-ce que tu veux? Non, il veut pas non plus. Donc du coup, tu vas repartir en caisse. C'est encore trop tôt. Hein. Par contre, je sais pas si je suis en train de bien m'en sortir. J'ai eu un badge, c'est pas mal. Allez, je vais la mettre en fin de journée, elle. Ok. Bon, Layette, tu m'énerves. Vente, hop. Hop, tu vas un petit peu bosser. Toi, vente, on va faire ça. Non, ne râlez pas, c'est pas le moment. Ok. Très bien, c'est bien, on va récupérer. Alors, qui d'autre? Toi, je sais pas si je vais pouvoir t'engager, mais on va essayer. On va voir. Oh, le vent qu'elle vient de se taper. Elle a essayé de sauter dans ses bras, elle a pas réussi. Ça, c'est ballot, ça. Et il me faut un employé, là, il n'y a pas. Il me faut quelqu'un, s'il vous plaît. Réfléchis. Non, c'est pas le moment. Alors, lui. Attends. Par contre, il y a le miroir qui me gêne. Donc, je regarderai. Donc, toi, est-ce que tu veux? Gilbert Jacquet, là. Le tombeur de ces dames. On va peut-être pouvoir demander. Qui sait? Peut-être qu'il va vouloir. Je ne sais pas. Ah. Alors, voulez-vous engager un employé? Oui. Ah, bah, à première vue, il veut. Oula, oula, j'ai été trop vite, là. Bah, voilà. Donc, lui, on va lui demander... Gestion, ce serait bien qui. Donc déjà, on va essayer de voir son salaire. Non, t'es employé. Faut pas que tu te battes avec tes... Ah oui, alors on est à combien là? Bon, lui, on va lui mettre un salaire... Un salaire généreux. Voilà. Le miroir, il m'embête. Je vais peut-être l'enlever à la rigueur. Donc on va... Gestion... tâche. Donc lui, on va lui demander d'être caissier. Il y aura peut-être plus de talent que d'autres. Allez, allez Gilbert, dépêche-toi. C'est une catastrophe, il y a des choses par terre. Allez, on va s'occuper. Vente. Hop. Et pourquoi elle veut sauter dans les bras de tout le monde, elle? C'est incroyable, ça. Alors... Donc, toi, non. Allez, tu peux avancer, toi. Donc, ça, c'est bon. Là, on va faire ça. Toi, je vais te donner ta journée. Donc, gestion, on va lui donner fin de journée. Parce que là, elle est mal. Allez. Taïkanji.
Voilà, parfait. Par contre, je sais pas où elle s'est mise. Elle s'est mise là. Enfin, j'attends qu'elle arrête. Toi, on va essayer de faire une vente simple. Toi, une vente simple aussi. Elle est longue. Elle est longue. Fin de journée. Je vais donner sa fin de journée, mais elle est trop longue. Voilà. On n'a pas eu de badge, hein. Pas pour l'instant. Gilbert, non, on n'a pas eu de badge non plus. Bon, c'est bon, est-ce qu'elle va pouvoir lui donner sa journée quand même? Ah, bah, elle est redevenue dans le vert, ça va. C'est bon, c'est bon. Donc on va pas lui donner sa journée, on va la laisser travailler. Allez. Tant qu'elle revient dans le vert, je vais pas lui donner sa journée. Voilà. Donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose à remettre? Alors, Cousette, comment elle s'en sort elle? Toujours aussi de tension, hein, bien sûr. C'est qui lui? Pourquoi il y a des gants? Attends, t'es qui toi? Bah lui, je ne sais pas. Je vais regarder où il va. Il va où? Oh bah c'est quelqu'un comme ça, mais il met des gants, d'accord, ok. On va faire une vente simple avec lui. Avec lui aussi. Ok, ensuite, attends, toi tu t'appelles Romuald, ok. On va essayer de voir. Non. On va essayer avec les autres. Voilà. Parfait, ça marche. Donc en tout cas, le petit coin salon que j'ai fait ici, tout va bien, il gêne pas. Donc Gilbert, il est caissier avec Cousette. Et notre amie ici, elle remet tout comme il faut. Par contre, elle est toujours en train de bouger. Du mal à les suivre, elle. Hein. Donc, on a une étoile. Ok, Amanda. Ok, avec elle. D'accord, elle est toujours en train de jouer, elle. Mais au moins, j'ai plus personne qui râle devant les grilles. Enfin, même s'il n'y a plus de grilles, mais bon. Vente. Hop. Très bien. Donc là, on s'en sort. Hein. Je vois que ça repart. Par contre, il faudrait nettoyer ici. Nettoyer ici. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, oh, d'accord. Ok, ils partent. Voilà. On va quand même nettoyer parce que ça fait quand même ça, là. Donc, elle a décidé de prendre. C'était quoi? C'était une démonstration, lui? Ouais. Donc, on va voir. C'est bien, moi, Gilbert, il reste, mais il n'y a personne qui va vers lui. C'est génial. Donc, toi. Carrément, elle. Non, je veux pas l'apprécier. Hein. Ok, donc là, il est 21h. Tout va bien. Ils sont tous en train de jouer. On va peut-être essayer. Non, on va pas discuter, on va pas engager non plus. Bah lui, Gilbert, il y a une belle vie. Hein. Il y a une belle vie. Eh oh, elle va se calmer, elle. Je t'ai pas dit de l'agresser. Tiens. C'est quoi encore, ça? Donc elle part. Bah, jusqu'à maintenant, toutes les portes que j'ai mises, ça marche. Donc elle est dans le vert, ok. Elle est en train de surveiller. Ah, oh, il y a quelqu'un ici à voir. Allez, une vente. On essaye une vente agressive? Ou presque donnée? Non, presque donnée, allez. Ah bah, il est trop tard. Tiens, on va... Non, c'était pas là. Bah non, il n'y a plus rien avec elle. Tiens, on va faire ça. Ça y est, Gilbert ici, mais il était bien temps. Au moins, Cousette, elle va pouvoir un petit peu se reposer. Donc, elle va pouvoir faire ça. Ça. Tiens, on va chercher les autres. Hop. On va voir. Je vais un petit peu lui changer son rôle, elle. Donc, on va faire ça pendant un moment. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, elle, non.
Lui est intéressé, non? Non, il n'est pas intéressé. Il n'y a plus personne, hein. Ça commence à être un petit peu vide, là. Toi, on va essayer de faire ça. Voilà. À première vue, faire des propositions, ça pourrait... Ben, des démonstrations, ça pourrait fonctionner. Donc, faudrait rester dans ce truc-là. Ouais, ça va être chaud de passer les journées là-dedans. Donc après, ça sera à moi de les passer. Ok. Parfait, il est 23h45. Donc lui, il est dans le vert, elle est dans le vert, c'est parfait. Non, lui, on va pas l'engager. J'ai pas envie de l'engager, lui. Lui, je peux rien faire. On dirait qu'il n'y a plus personne, là. Par contre, il n'y a plus de badge. Là, je n'arrive plus à avoir des... fixer les prix. Ah, par contre, fixer son salaire à elle. Modifier le salaire. Est-ce qu'on va voir si... s'il est toujours pareil ou si je peux lui augmenter. Super, Cosette, elle est vraiment... Attends, Cosette, par contre, elle, je vais trop mettre ici. Voilà. Oula. Je sais pas ce qu'elle a, elle était écœurée. Elle fait le tour, c'est génial. Elle était pas obligée de faire le tour, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de voir le salaire. Voir s'il est toujours pareil ou si on peut pas le modifier. Petite augmentation, on verra. Un salaire correct. Un salaire généreux. Et hop, on lui augmente. Ben voilà. Comme ça, elle sera contente. Oh, on a des personnes. Allez hop. Ah mince, elle est partie aux toilettes. Bon, au moins mes toilettes y servent. Donc là, il y en a une qui ne fait rien. Ok, c'est génial. Hop. En fait, ça va être ça pendant un long moment. Jusqu'à temps qu'on regagne des badges. Voilà. Bon, Gilbert, il s'en sort bien, je trouve, hein. Bon, il y a un peu raplapla devant la caisse, mais bon, il s'en sort bien quand même. Alors, ça c'est bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc lui, il n'y a rien. Hop. Par contre, Cosette, elle... être caissière, voilà. À chaque fois, il est toujours en train de s'en aller, ça va pas, elle. Ça pourra pas fonctionner, sinon... Hop, toi. Hop, on va rien sortir, on va aider notre petit employé. Ah, il est déjà en train de le faire, ok. C'est bon. Confier la tâche, ok. Faire passer les clients à la caisse. Ok, ouais, on pourrait aller plus vite hein, en les faisant passer à la caisse, mais bon. Alors, toi. Non, ça, c'est bon. Et il y en a une qui s'est assise là où... Ah, elle veut faire quoi? Elle veut faire de la couture? Alors, donc ça, c'est bon. Là, elle est où elle? Bah, bien sûr, elle est partie. Bon, bah écoutez, c'est vrai qu'en vidéo, on ne peut pas faire tout le long de la semaine. Mais moi, ce que je vais faire, je viens d'avoir justement l'idée. Je vais moi-même filmer ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à le week-end. Et je vais filmer ce qui va se passer. Et c'est moi qui va revenir en vidéo. Parce que là, ça risque d'être un petit peu trop long de vous le faire montrer chaque vidéo. Sinon, ça va me faire plusieurs vidéos à la fois. Donc là, ce que je vais faire moi... Je vais continuer à filmer ce qui se passe dans le magasin avec les deux sœurs, les employés, jusqu'au week-end. Donc tout ça, ça sera en vidéo, voilà. Et bien sûr, ça sera peut-être en accéléré, mais un tout petit peu accéléré. Et c'est moi qui va commenter par au-dessus. Parce que là, sinon, c'est vrai qu'on va y passer un petit peu la semaine et on ne pourra pas savoir. Et en plus, elle, il faudra que je la fasse un petit peu plus travailler.
Parce qu'elle, il lui manque quand même. Alors, je vais regarder, je pense qu'il lui manque quand même des badges. Voilà. Contrairement à sa sœur qui, elle, elle en a un de plus. Voilà. Ensuite, Gilbert, c'est pareil. Là, bon, là, pour l'instant, il s'en sort bien en tant que caissier. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite idée-là, elle va vous plaire. Moi, je vais reprendre. Là, je vais sauvegarder, bien sûr, pour ne rien perdre. Je continuerai en vidéo. Je le mettrai en tant qu'accéléré. Et vous verrez tout ça dans une, peut-être une grande vidéo, je ne sais pas, que je vous ferai montrer. Comme ça, on pourra passer à la troisième semaine en live, ou alors je continue à le faire en vidéo, c'est vous qui voyez, parce que derrière tout ça, derrière ces beaux challenges que je suis justement en train de faire, j'ai aussi un nouveau challenge que je dois faire. Donc voilà, donc en même temps de faire ce challenge-là, je suis en même temps aussi en train de préparer un nouveau challenge dont je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que là pour l'instant je ne peux pas vous en parler, parce qu'il faut seulement que je le prépare pour savoir qu'est-ce que ça donne. Voilà, il n'y a que Isaac qui sait de quoi je parle, vu que c'est lui qui m'a donné ce challenge-là. Donc voilà, donc en tout cas Isaac, si tu regardes la vidéo, ne t'en fais pas, ton challenge va se faire aussi, comme celui de Gaël, ou comme celui des autres personnes qui auront envie de me donner des challenges. Donc voilà, donc moi en tout cas, je vais vous laisser. Je continue à faire le challenge là en vidéo. Je vous le mettrai sur YouTube. Il sera en accéléré. Comme ça, vous verrez tout le long de la semaine qui passera. Et vous me direz quoi dans les commentaires. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci à Gaël de m'avoir donné ce challenge là encore une fois. Merci à Isaac de me proposer le nouveau challenge. N'hésitez pas à m'en redonner si vous en avez. Voilà. Et moi, de mon côté, bah voilà, je continue. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!